Salut les amis et bienvenue dans le Big Match by Bet241, la seule chronique au monde qui vous permet d'avoir des pronos sûrs pour parier en toute quiétude et surtout d'avoir des infos sur les footballeurs gabonais de l'étranger. Et en parlant des footballeurs gabonais de l'étranger, ben on a enfin des nouvelles du capitaine Aubameyang qui avait disparu de la circulation entre guillemets. Pourquoi? Parce que sa maman était malade, il était au chevet de sa mère, il ne sera pas là ce week-end pour Arsenal-Manchester United, mais on sait au moins que le capi va bien. Et en parlant du week-end, il y a parmi les grandes affiches en première ligue, un Arsenal-Manchester United qui vole de tour. Évidemment, Arsenal, vous le savez, a gagné en semaine et Manchester United a perdu la tête de première ligue au détriment de Manchester City. Donc Arsenal va un peu mieux avec un Bukayo Saka qui est très en forme. Arsenal face à Manchester United, évidemment, ils réussissent plutôt bien sur les dernières années. Et sur les 5 derniers matchs, Arsenal a réussi à gagner 3 fois, Manchester a gagné une fois et il y a eu un match nul. Stéphane, c'est quoi le pronostic de ce match? Alors, gros match en Angleterre entre Arsenal, entre le 9e et le 2e du championnat. Arsenal qui revient un tout petit peu en forme avec 2 victoires sur 3. Mais n'oublions pas qu'Arsenal est privé de son meilleur buteur qui n'est autre que Pierre-Emerick Aubameyang pour des raisons personnelles. Mais je reste quand même persuadé que Arsenal...